Et par conséquent, pour tirer profit de ces leçons, les auditeurs auraient avantage à s'installer confortablement et à se munir d'une feuille de papier et d'un crayon. Je voudrais que vous nous parliez maintenant de votre méthode de travail. Je crois que une de ses caractéristiques essentielles, c'est de replacer toujours l'animal dans ses conditions naturelles. Oui, c'est vrai. Et ça a une raison, naturellement. Le comportement des animaux, le système nerveux, dont le comportement est la fonction, est un des systèmes des plus compliqués qu'il est dans le monde. Et en approchant un système, on ne peut pas isoler arbitrairement un pas et laisser isolément. On ne peut pas faire ça. Il faut d'abord avoir une sorte d'inventaire de tout ce qu'il y a dans ce système. Si vous voulez supposons qu'un martien arrive par terre et trouve une automobile. S'il en détachait une vis, c'est un écrou, et tournait le dos à l'automobile et essayait de reconstruire, de ré-synthétiser l'automobile de ses deux parts, il n'y parviendrait jamais. Ne sont qu'à moitié. Les méchants ne sont capables de bonté, de tendresse. Et notre première réaction est parfois d'agacement ou d'incompréhension devant la brutalité de leurs évolutions, devant l'équivoque des situations. Mais à mesure que nous y réfléchissons, nous nous apercevons que cette complexité est celle de la vie même et des êtres qui nous entourent. La marque du mystère et de la poésie. Il y a quelque chose d'un peu magique dans cette expression. L'an 2000, pour nous, ça veut dire la concrétisation d'un peu tous nos rêves, tous nos espoirs, tous nos désirs. C'est un peu, au fond, quelque chose qui ressemblera à l'âge d'or, si vous voulez. Aujourd'hui, on sait que en l'an 2000, un peu neuf, pour se rendre compte que l'an 2000 y est déjà. Mmh.